du côté de Ngoyekele. Donc, après notre soirée de gala vendredi, nous nous déporterons tous là-bas pour soutenir nos aînés et les féliciter parce que c'est la cérémonie à laquelle ils reçoivent leur diplôme. Et en soirée, nous organiserons une petite réception à la faculté pour partager un dernier moment ensemble avant qu'ils soient affectés. Affectés. Merci, ils vont vous soigner. Hein. Il y a de nouveaux médecins sur le marché. Ils entreront, n'est-ce pas, dans la fonction publique et ce serait bien pour nous autres malades, surtout pour nos parents, n'est-ce pas, dans l'arrière-pays, parce qu'il faut aussi y aller de temps en temps. Alors, mademoiselle Manga, madame, mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle Manga. Marraine de cette. Ça vous fait quand même chaud au cœur, n'est-ce pas? Ça me fait énormément chaud au cœur parce que l'élection Miss Mamekilo nous ouvre plusieurs portes et ça, c'est une grande porte qui m'a été ouverte et je n'ai pas hésité à sauter au travers. Oui. Donc, c'est une grande aventure. Il faut vraiment. Une grande et belle J'invite aventure. toutes les populations de Yaoundé à se déporter massivement à la faculté de médecine parce que franchement, celui qui n'y sera pas aura raté un quart de sa vie. Un quart de sa vie. Merci d'être passé sur les plateaux de la CRTV et on vous souhaite, n'est-ce pas, plein succès dans cet événement. Je voudrais qu'on fasse, parce que ça n'arrive pas tous les jours, ça n'arrive pas tous les jours d'avoir sur le plateau de Vendredi Show une figure emblématique de la musique, je dirais même du monde culturel camerounais. Et pour moi, véritablement, quand je l'ai vu arriver dans ce studio, j'ai eu pratiquement, je dis, la chair de poule. C'était une émotion particulière. Maman Anne-Marie Izié nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui dans le cadre de Vendredi Show. Je crois véritablement qu'on devrait l'applaudir très, 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 très fortement. Tout à l'heure, nous parlerons un tout petit peu avec elle, mais pour le moment, je voudrais que vous compreniez que Maman Anne-Marie Izié, c'est vrai, mais elle a des gens qui sont, n'est-ce pas, la continuité du travail qu'elle aura.